Entendez-vous dans le feu? Entendez-vous dans le feu tous ces bruits mystérieux? Ce sont les tisons qui chantent. Sois joyeux, sois joyeux. Ce sont des chants de scouts. Alors c'est un canon, donc ça veut dire qu'on peut le chanter en canon. Ça c'est un exercice rigolo. Vous pouvez essayer de le faire avec la vidéo de moi qui chante. Alors il faut partir une phrase après, c'est-à-dire quand je commence tous ces bruits mystérieux. Puis pareil au violon, vous pouvez le jouer en partant quand j'arriverai à la mesure 4, non 5, donc sur tous ces bruits mystérieux, vous démarrez au début. Et par contre, il faut rester bien en place pour réussir à le faire. Puis on recommence au début quand on arrive à la fin pour le faire en boucle. Alors du coup, je vais le faire deux fois. Comme ça, ça vous permettra de jouer en canon avec moi. Je le fais deux fois en entier. Avec une pulsation pour s'aider à garder le tempo et à ne pas se décaler. Alors il faut réussir à le jouer bien avec la pulsation et avec moi avant de faire en canon. Hein, sinon, c'est difficile. 1, 2... Chante une fois avec le nom des notes. Ré, ré, mi, mi, fa, fa, mi, ré, fa, fa, sol, sol, la, sol, fa, ré, la, sol, fa, mi, ré, mi, fa, sol, la, ré, ré, la. Alors le passage le plus difficile à travailler, parce qu'il doit bien s'enchaîner, c'est à partir de la mesure 7. Donc ça, vous pouvez faire juste ces deux mesures bien en boucle plusieurs fois jusqu'à ce que vous arriviez à les enchaîner sans arrêt. C'est là qu'on ralentit toujours pour prendre le temps de poser ses doigts. Alors il faut le faire au début, il faut le faire lentement. Puis quand on commence à y arriver, le faire un peu plus vite jusqu'à ce qu'on arrive à le faire au tempo. Alors maintenant, on peut faire des boucles là-dessus, c'est-à-dire des petits accompagnements qui sont toujours pareils et qui tournent en rond. Et donc c'est bien de les chercher à l'oreille. Alors je vais vous en jouer deux et vous essayez de les trois. Je vais vous en jouer trois. Vous essayez d'en choisir un qui vous plaît et puis vous essayez de l'apprendre tout seul, de le retrouver avec l'instrument tout seul et après de jouer par-dessus. Donc on va le faire avec la pulsation pour être bien dans le même rythme que ce qu'on a joué tout à l'heure. Alors la première des boucles, c'est toujours pareil. Après vous pouvez jouer tout le morceau. Hein. 1 facile des boucles. Une autre boucle maintenant, un petit peu plus compliquée, mais aussi très intéressante. Alors ça, c'était que encore David, hein, vous pouvez laisser la main à l'autre aussi d'ailleurs. La suivante aussi encore David. 1, 2... Thank you.
dit de la jouer avec moi après. Et la troisième boucle, qui est en pizza cette fois. Et on pose les doigts. Alors, je vais monter un peu le son de la percu. Et ce sera plus facile. 1, 2 et... Après, c'est que des cordes à vide, je laisse mon doigt poser d'un bout à l'autre. Voilà, je vous laisse chercher ça, c'est super intéressant.